petit mélange à l'américaine. Allez-y, assieds-toi, Jérôme. Et bonjour tout le monde. Bonjour à tous, Michel, Jérôme, le petit magicien. Alors, on va essayer une petite expérience, on va voir. J'ai mélangé. Maintenant, comme tu ne me fais pas confiance, hein, depuis des années, surtout, allez, tu mélanges. Ça veut dire que déjà, on démarre avec un jeu mélangé. Ça commence bien. Ça commence bien. Mais Michel, je sais qu'il ne te fait pas confiance à toi. Ça commence bien. Allez, Michel, vas-y. Pendant ce temps, Jérôme, tu vas penser à une carte. Ok. Si tu veux la marquer, tu peux. Si tu veux... Non, c'est bon. C'est bon? Ça sera la surprise à la fin? Allez. D'accord. C'est bon, Michel? C'est bon. Merci. Alors, Jérôme, tu te rappelles de ta carte? Oui. On ne la dit pas à Michel, mais tu me la montres. Tu vois pas Michel? Non. Elle y est au moins? Ben, c'est pas jusqu'au bout. Ah, là. Celle-là? Oui. Sûr, hein? Oui. Allez. On l'a mis là. Hein. Tu l'as vu? Non. Ah. C'est toi qui vas t'en occuper pour pas que lui manipule sa carte. D'accord? Tu vas la perdre dans un endroit bien précis. Tu vas couper un paquet de cartes. Jérôme t'en prendra aussi un peu. Mmh. Et il faut qu'il m'en laisse un peu. Il m'en reste sur la table. D'accord? Mmh. Donc tu coupes. Ok. Tu passes le jeu à Jérôme. Tu coupes aussi. Et tu comptes le nombre de cartes. Tu les mets. Tu écris sur le papier là. Ça, c'est pour. Pour pas oublier, vu qu'il y a beaucoup de choses à faire, tu as coupé, tu comptes et tu marques sur ton papier. Comme il y a beaucoup d'informations, chacun vous allez compter, écrire sur le papier et vous cacher, comme ça personne ne sait. Tu marques. C'est bon. C'est bon? Je note? Oui. Ok. Vous avez caché? T'as marqué c'est Michel? C'est caché. C'est juste pour pas pour s'en rappeler. Hein. Ouais, juste pour s'en rappeler. Michel, tu prends ton paquet. Fais voir ton paquet. Tu perds sa carte là-dedans. Voilà. Tu mélanges. Tu rajoutes ça. Et tu dessus, dessus. Comme ça, voilà. Et on mélange. Donc ta carte, vu que tu as mélangé, elle est soit dessus, soit sur le en haut, soit vers le bas. Elle est perdue quelque part. Okay. Mais on ne sait pas où. Bien. Jusque là, c'est vrai. Alors on va récapituler. Tu as un nombre en tête. Oui. Tu as un nombre en tête. Tu as une carte en tête. Oui. Mais tu n'as pas de carte. Donc tu vas regarder. Je vais faire défiler les cartes. Une par une, et tu vas regarder la carte qui se positionne au nombre de tes cartes. Si tu as, par exemple, tu en as 12, tu regarderas la 12e. Si tu en as 11, tu regarderas la 11e, et ainsi de suite. Mais tu dis rien à personne, tu fais aucun signe, juste tu regardes et tu me laisses faire. D'accord? On y va? On y va. Je m'arrête avant, pas de problème, pour pas qu'on puisse... Elle est passée? Elle est bien pour pas passée. Qu'on puisse penser qu'en faisant des... Vu ce qui te reste dans les mains, à mon avis, elle oui, est passée. Oui, il en reste, hein, mais... C'est bon? C'est bon. Elle est passée. Bien. Maintenant, tout le monde a des cartes. Et tout le monde a une carte en tête. Un nombre de cartes chacun. Alors, regarde ce qu'on va faire, Jérôme. Tu vas me dévoiler, pour la première fois, le nombre de cartes que tu avais en main. Mmh. Et ça va tomber sur une carte, vraiment le hasard. C'est le hasard, puisque ça a été en plus mélangé une deuxième fois par Michel. On y va? T'en avais combien? J'en avais 20, comme tu peux le voir. 20! Tout le monde voit? On y va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20. T'avais choisi quoi, genre, Michel, comme carte, quand tu as regardé? Le 2 de trèfle. T'as dit au hasard à ton nombre. Mm. Et c'est tombé sur ta carte. Ah oui. Alors bien ou bien? Bien. Alors là. Le 2 de trèfle.
Bon, vu les mélanges et tout ça qu'il y a eu, là. Je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Mais si ça marche dans un sens, ça pourrait marcher dans l'autre. Ça sera là, ça serait encore plus fort. Ouais. Ça veut dire que tu as choisi une carte. Là, qui a été jetée dedans. C'est la Michel Jolet. Qui a été mélangée. Et tu as un nombre de cartes qu'on ne connaît pas, qu'on va dévoiler à tout le monde. Voilà. Tu peux me dire le nombre de cartes? 15. En plus, tu as la preuve, elle est là. S'il y a un problème, on peut... On y va pour la 15e? On va pour la 15e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ne la regarde pas. Pour que tu ne puisses pas dire que c'est un jeu marqué. C'était quoi ta carte? C'était le 2 de cœur. 15. C'est celle-là, hein? Décidément, 2, 2. 2, 2. Eh bien, 2 de cœur. Ça, c'est beau, par contre. C'est beau, hein? Ouais. C'est-à-dire que toi, tu retrouves la sienne, lui, il retrouve la sienne avec un nombre de cartes que vous avez pris au hasard, avec plein de choses que je ne connais pas, et en fin de compte, le tour, j'ai rien fait, c'est vous qui avez tout fait. Bon. Ah là, le 2 de cœur, je ne l'ai pas. Parce que d'ailleurs, ça me paraît impossible. Déjà. Le 2 de trèfle, je l'ai. Ah. Le 2 de cœur, je ne l'ai pas. Aucune c'est pour ça que deux. Tu l'as. Aucune des deux. Pas aucune des deux? Bon, on va passer à l'explication. Ouais, ça c'est beau. Non, c'est simple. Vous partez d'un jeu mélangé, c'est ça qui est bien au départ. Oui. On prend un jeu, 52 cartes, on mélange, les spectateurs coupent ce qu'ils veulent, hop, ils comptent, et à ton nombre on trouve la sienne, à son nombre on trouve la tienne, et c'est que des bonheurs. Ouais, c'est joli. On va lui mettre un petit impensable à celui-là. C'est fort, ouais. Il mérite son nom? Ouais. Ah ben on le met dans les impensables. Allez. C'est pas mal. Tu veux dire des choses? Ah oui, t'as une idée, un petit truc, mais après il manque des repères. C'est David qui va râler. Il m'a donné un truc, mais il va pas comprendre. Très bien. L'explication maintenant. Allez. Joli. Vas-y, coupe. Je vous explique. Joli.